Emmanuel Macron en déplacement en Arménie pour le 17e sommet de la francophonie. Une première pour cette ancienne république soviétique du Caucase, pour ce pays francophile qui ne compte pas beaucoup de locuteurs, 200 000 sur une population de 3 millions d'habitants, mais qui entretient un rapport très particulier avec notre langue, un rapport charnel. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage tourné avec de jeunes étudiants à l'Université française d'Arménie à Erevan. Benoît Ballet, Alice Froussard. Dans cette salle de classe, une dizaine d'étudiants arméniens regroupés selon leur niveau de français. La plupart l'ont découvert à l'école et parfois c'est un écrivain ou un chanteur qui leur a donné envie de poursuivre leur apprentissage. J'aime bien l'artiste francophone Stromae, j'aime bien ses chansons. Et les élèves sont très motivés, explique la professeure Elena Elarian. Ils apprennent le français avec plaisir. Mais plus qu'un plaisir, c'est aussi un atout sur leur CV, une meilleure insertion professionnelle. Lucinée, étudiante, en est certaine. L'anglais, c'est la langue internationale, mais il n'y a pas de nombreuses personnes en Arménie qui parlent bien français. Voilà pourquoi je fais mes études maintenant ici, pour après avoir un bon travail et gagner de l'argent. Et ici, le nombre de diplômés augmente chaque année. C'est un signe positif pour Jean-Marc Laveste, recteur de l'Université française d'Arménie. Ça veut dire qu'on vient chercher la langue française, les compétences des diplômes français. Donc je suis très très optimiste sur l'avenir de la langue française. Mais apprendre le français a un coût. 1 500 euros l'année, c'est 4 fois le salaire médian en Arménie.